Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo autour d'un vlog. Je commence déjà par vous souhaiter une très bonne année et surtout une excellente santé. Vous avez remarqué depuis quelques semaines, il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne, mais bon, ça c'est un peu les vacances, sauf pour mes cervicales. Donc c'était un peu compliqué. Alors, vous avez pu suivre toutes les dernières vidéos de 2018, dont le tableau électrique qui m'a pris pas mal de temps, parce que je voulais bien faire le mieux possible. Et puis ici, je suis en train de démarrer maintenant les prochaines vidéos. Donc ça se passe à l'intérieur, c'est pas du travail du bois, c'est du travail d'un peu toutes sortes. Je vais commencer par modifier les toilettes pour mettre un WC suspendu avec un bâti. De ce fait, les toilettes étant carrelées jusqu'à mi-hauteur, je n'aime plus ce style de carrelage ou autre, donc je vais utiliser du BA13, du placo plate, donc en largeur 60 pour masquer tout ça et pouvoir peindre et faire quelque chose de moderne et puis de renouveler tout ça. Hein, c'est là depuis plus de 30 ans. Donc ça a bien mérité d'être changé. Donc voilà, il y a une vidéo qui tourne autour de ça, enfin qui se prépare. Elle sera en plusieurs parties, hein. Il y aura la préparation. Alors le but, c'est pas de vous montrer comment on pose du placo plâtre ou comment on fait des bandes à joints. Ça, il y a des professionnels autrement plus qualifiés que moi qui font ça. Moi, j'ai pas fait ça depuis très longtemps, donc je vous montre pas comment on fait des bandes à joints. Vous avez ce qu'il faut sur YouTube pour ça. Ce que je vous montrais, c'est le changement total de l'intérieur de toilette. Renouveler, changer, poser un bâti support alors qu'il n'y en avait pas, c'était des toilettes au sol. Et voilà, donc je vous montrerai une fois tout ce que je fais pour modifier l'aspect intérieur. Et après, il y aura la pose du bâti support, puis les finitions. Je vais devoir même changer de sens d'ouverture de porte. Parce que ça me plaît plus, la porte s'ouvre vers l'intérieur. Quand les toilettes sont immenses, c'est pas gênant d'avoir des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur, mais quand vous avez des toilettes un peu plus modestes, on va dire, c'est assez ennuyeux parce que c'est pas facile à rentrer. Une fois qu'on est dedans, ça va, mais il suffit aussi d'avoir un malaise ou autre dans les toilettes et vous ne pouvez pas rentrer dans les toilettes, hein, si ça s'ouvre vers l'intérieur. Donc je vais modifier le bâti, qui est un bâti métallique, donc je ne vais pas pouvoir toucher au bâti ni le démonter. Je vais travailler par-dessus et en bois cette fois-ci. Donc il y aura tout ce genre de vidéos. Et puis ensuite, je vous donne un peu le détail de tout ce qui va se passer. Ça va prendre beaucoup de temps tout ça. Il va y avoir un démontage de cloisons pour faire une cuisine ouverte, pose d'une verrière fait maison, une vraie fausse verrière on va dire entre guillemets. Et tout ça, ça tiendra lieu de vidéos. Donc voilà, donc je prends mon temps. Donc il y a des vidéos quand il y en a. Et puis toujours très content d'avoir vos commentaires. Donc vous me connaissez maintenant, tous les commentaires qui sont un peu olé olé sont juste enlevés et je laisse pas le soin à son propriétaire de pouvoir mettre d'autres commentaires. YouTube nous propose bien des outils pour ça. Voilà, j'ai toujours dit depuis le début de la chaîne que la chaîne doit être propre. C'est pas un endroit pour faire des échanges critiques violents ou méchants, tout simplement. Des méchants, des jaloux. Donc, vos commentaires sont toujours très appréciés. Ils sont tous passés sous contrôle, comme on dit, c'est-à-dire que quand vous mettez un commentaire, ben, il n'est pas tout de suite validé, je le valide, comme ça, c'est plus simple pour moi quand je dois enlever un commentaire ou alors un truc franchement olé olé. Ou une vilaine pub, je peux l'enlever avant que ça ne paraisse. Donc voilà, quelquefois entre le moment où vous mettez votre commentaire et le moment où vous l'avez vraiment à l'écran, il peut se passer une ou deux journées, jamais plus. Voilà, vous avez un petit peu toutes les news comme ça. Au moment où je vous fais cette vidéo, on n'est pas encore à 20 000. On devrait être à 20 000 là quand je vais rentrer à la maison, à mon avis. Ou d'ici un jour ou deux, ou quand la vidéo sortira, nous serons arrivés à 20 000 et ça va être tout simplement formidable. Comme je vous disais il y a très longtemps, déjà arriver à 100, ça m'avait paru énorme. Arriver à 1000, c'est encore plus énorme. 10 000, n'en parlons pas, et 20 000, là, c'est complètement hors de mes pensées.
d'origine. Voilà. Mais je suis très content de pouvoir vous partager simplement, sans se prendre la grosse tête, sans vous donner de conseils démesurés, juste en apportant le maximum de précision, hein. Vous savez, je ne donne pas beaucoup de dimensions. C'est pas une chaîne pour vous donner des dimensions de tout. Quand vous avez besoin, demandez-les, je vous les donne. J'essaye de vous apporter les façons de faire le mieux possible et en toute sécurité. Hein, parce qu'on voit toujours, et on voit toujours, même des nouvelles chaînes qui se créent. Et puis, pourtant, c'est pas faute de rabâcher, de faire attention, de se protéger. Et bon, bah, les protections sur les scies sont toujours absentes de beaucoup de chaînes. Mais bon, essayez de ne pas prendre ces exemples-là. Vous pouvez prendre l'exemple de ce qu'il fait, mais pas de comment il le fait. Quelquefois, c'est dangereux. Ah, vous risquez péril. Alors là, je suis avec mes amis canards. Il y a des oies là, des oies du Canada. Et elles sont bruyantes, mais c'est sympa. Ça donne un petit effet nature. Là, on est au mois de janvier quand même. Hein. Voilà, vous savez à peu près tout sur la chaîne, comme ça, tout ce qui va se passer. Quelquefois, il y aura peut-être des périodes où il n'y aura rien, mais bon, c'est comme ça. Si vous avez des réalisations, vous pouvez toujours les envoyer. Hein, j'en reçois encore de temps en temps. Donc, j'ai de quoi faire entre deux des sets à vous, avec vos réalisations. Là, prochainement, on va sortir la dernière vidéo du JC Zen Challenge. C'est dur à dire, ça. J'étais un peu long à la compiler, mais bon, hein, vous comprenez comment ça fonctionne maintenant. J'ai pas à courir, je fais pas ça pour l'argent, donc ça vient quand ça vient. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans les commentaires. Il y a toujours des vidéos qui seront prévues pour ça. Le jeu cause pour vous, par exemple, hein, où je répondrai à vos commentaires un peu plus précisément. Parce qu'il vient souvent des questions récurrentes, comme on dit dans le beau monde. Je dois régulièrement répéter, alors que tout est déjà... Allez voir souvent quand vous regardez une vidéo dans les commentaires s'il y a des liens à amener, si je dois vous donner des liens ou des adresses, c'est souvent sous la vidéo, la description de la vidéo. Allez voir de temps en temps, vous avez souvent la réponse à votre question qui est là. C'est pas que je ne veux pas répondre aux questions, mais quand il y a beaucoup de questions, quelquefois, bah, ça passe à la trappe. Quand vous avez deux questions, ça va. Quand vous avez 100 questions d'un seul coup sur 2 jours, bah, vous pouvez en louper hein, dans le tas. Voilà, je ne me fais pas plus long. Donc ceux qui n'aiment pas les vlogs, bah, j'espère qu'ils ont passé leur chemin depuis longtemps. Et puis pour les autres, je vous renouvelle encore mes bons voeux, surtout une bonne santé. Si elle n'est pas bonne, bah, essayez de l'amener au mieux possible, tout en gardant le moral et en restant vous-même. Voilà. Évitez de prendre la grosse tête et d'avoir un ego surdimensionné. Restez vous-même, faites du bon boulot, mettez-vous en sécurité, ne prenez aucun risque quand vous faites quelque chose. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.